sera une run Isaac en normal jusqu'au chest. Et la condition, ce sera nos shops. Donc Isaac, le personnage de base, qui commence avec le D6, avec lequel on peut reroll un objet pour 6 charges. Donc c'est super cool. Très bonne stat. Et ils seront donc en condition nos shops. Donc interdit d'aller volontairement dans un shop. Donc on ne rentre pas dans un shop par la porte. Ni par quel endroit que ce soit d'ailleurs, si on sait que c'est le shop. Si on rentre dans un shop mais qu'on ne savait pas, bon, on ressort le plus vite possible par là où on est entré. Si on est TP de façon random dans le shop, on sort le plus vite possible sans toucher à rien. On vise rien, on ne touche à rien dans le shop, on se barre le plus vite possible. Si jamais il y a grid dans le shop sur une TP, on le tue le plus vite possible en essayant de prendre le moins de pièces au passage, si ce sont des pièces au sol. Et on se casse, donc ça interdit évidemment l'utilisation de l'ermite avant d'arriver au womb. Oui. Et donc voilà. L'ermite est utilisable à partir de womb, interdite avant. Enfin, interdite, vous pouvez l'utiliser, mais vous devrez faire un reset après l'avoir utilisé. Ça serait con. Ça serait con. Bien, en tout cas, les joueurs sont prêts. On va donc pouvoir y aller dans 3, 2, 1, go! Et on attend évidemment que ça départ. Ah, c'est parti, ouais, chez les deux ensemble quasiment. Alors, Léo, il est toujours au taquet, il part en premier. Tony Kegman qui a pas lancé son timer. Bon, c'est pas grave, j'ai lancé le mien à ce moment-là. Ah. Donc, ah, ok, là. Voilà. Donc, les rerolls normalement qui devraient être plus rapides, évidemment. Hein, ouais, c'est plus rapide avec un Isaac. Léo qui a déjà skip un Capricorn, Bloodlust et. Ouais, mais c'est pas des. C'est pas des. La Librim, il va le machiner aussi. Les rerolls, on peut reroll aussi à la machine évidemment, ça c'est cool. Oui, avec la petite bombe. Et on va voir ce qu'il décide de démarrer normalement. Avec Isaac, on peut choisir un bon starter. Alors, Deadeye. Deadeye reroll en Magic Mushroom, c'est la fête. Joue avec le cœur des commentateurs et des viewers. Hein. Pourtant, c'était pas si mal, Deadeye. Après, ça divise un peu, mais bon, après, le reroll est bon aussi, donc à partir de là. Deadeye, c'est un start, un point barre. Ouais, pas pour tout le monde. Ah ouais? Mais pour quelle raison, en fait, tu commanderais pas Deadeye? Ça demande beaucoup de trucs derrière. Si t'as que Deadeye, c'est trop léger. Tony Kegman qui est déjà sur son premier boss qui sera donc. Cœur bleu. Je ne sais plus son nom. C'est. Famine. Ouais, c'est la famine, c'est ça. Ouais. Famine bleue. Il a donné un cœur bleu quand il sera mort. Et un Cube of Meat ou la Ball of Bondage. Donc de toute façon, un bon objet qu'il n'aurait pas reroll. Même s'il ne peut pas le faire. De l'enfer, toujours pour Léo. Hein. Là, Léo qui a reroll un Sadonian, dommage. Ça aurait été bien non, de prendre. Sadonian non plus, ça se start pas. Non, là, clairement, il faut un bon starter. Avec un D6, on cherche vraiment un très bon starter. On cherche pas un truc moyen. Et un rocher marqué qui donne un cœur bleu pour Sonic Eggman, c'est cool. Ah oui, par contre, il est. Non. Ouais. Ok, je vais. Ah, pourquoi il a disparu? Je vais Léo par contre, genre je l'avais pas mute du coup là quand il part. Ah bah il faut mute les gens. Ouais. Mute pas, ça va pas le faire. Bah, la dernière fois ils avaient pas parlé, ils avaient été sages. Et une deuxième Bloodlust, Chocolate Milk. Ah, Chocolate Milk qui reroll aussi. C'est... Ah, il cherche quelque chose de fort là, Léo. Clairement. Non, mais il prend du retard là, il prend beaucoup de retard. Ouais, mais hein. Ça va, y a qu'un étage. C'est... Alors Undefined, il va le tenter, qui va l'amener. Non, la erreur est pas intéressante. Sonic Eggman qui a pris quoi? Qui a pris le cancer aussi. Le cancer, c'est très bon, ça. Ouais. Cancer, c'est bien, hein, cancer. 3 cœurs bleus et une réduction de dégâts après la première touche. C'est hyper intéressant. Et Little Horn. Et donc là, on voit Sonic Eggman qui est déjà au boss du B2. Hein, donc, ouais, ça avance bien, ça avance bien. Quand même, voilà. Léo, bouge ton cul, fais quelque chose. Mais non, mais. Deadeye, voilà, c'est parti, on est parti Deadeye. Ok, on est parti Deadeye. Il commence Deadeye, d'accord. Voilà. Allez. 3 minutes de reset.
Alors, le HP up, on va voir d'abord ce qu'il y a. Oh, Le c'est le dingue. couteau et reroll. Il reroll Ah, il le aurait Rotten pu Baby. prendre le Rotten Baby, hein. Ah, moi Rotten j'aurais Baby pris était Rotten Baby super avec le cool, hein. couteau. Couteau Rotten Baby, Voilà, les c'était premiers bien, dames ils hein. sont C'était torchés. vraiment bien. Bon, alors par contre, la couteau, ça va tabasser. Parce qu'il a un couteau Magic Mush, donc il a déjà des bons dégâts. Et surtout il a bonne range, etc. Donc, Oh, là, il est bien, là. C'est un bon couteau qu'il a, hein. C'est un ouais, très bon couteau qu'il a. Magic Mush, c'est un beau couteau. Par contre, attention, on va pas se faire toucher bêtement. Alors, Bon, Léo c'est qui bon. avance en Baseman Vas-y, son 2. Devil Guy n'est pas inquiété vu qu'il a les cœurs bleus. Bon, putain. Bon, après, est-ce qu'il aura un Devil Deal? C'est pas sûr. Peu de chance. Il n'y a qu'une chance sur 3 d'avoir un Devil Deal, là. Ah, Léo, bah, qui le est à but ton qu'il a pris, je baseman? pense. Qui est à son baseman 2 qui a récupéré quoi sur son boss? Qu'il a récupéré un HP, il a récupéré Pupula Duplex. Donc, clair, un Ouais. Sceptral et. Bon. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien en vrai pour le Deadeye. C'est bien tout le temps, hein, mais. Ouais, ce ne sont que des larmes spectrales. Ouais, mais ça augmente la hitbox pour pouvoir justement Ouais, ça c'est charger le un. Deadeye plus vite. Donc, bonne synergie, bonne synergie. Et un monstro. Alors, je sais pas combien il a de cœur, du coup. J'ai pas Bah, vu s'il c'est avait juste. récupéré des cœurs bleus, des trucs. Non, il doit être à 4 cœurs. 4 cœurs simples. Je crois Après, pas qu'il c'est. ait ramassé le cœur bleu. Alors, la La mouche. mouche, non. Non. Après, c'est pas très intéressant. Ah, il va reroll. Fait Il y a une une batterie à batterie. côté. Chemical Oui. Peel, pourquoi pas. Ouais. Oh, par contre, gros summon Gros chez Léo qui malheureusement a un Krampus. Donc là, tu vois, on voit le build qui commence un peu à se Ouais, stabiliser, là, il aime. le x2 du Deadeye qui commence à être rentable, là, avec le Ouais. gros hormone. Bah, par contre, Là, on est le la Krampus, pop ça fait call. chier, hein, clairement. La pop call, tu prends ou pas, là? Non, il va reroll, je pense. Ouais, bon, ok. Pense qu'il va le reroll. Bon, Oui, pour un pourquoi pas, Gubby du coup. Scholar, bon. Bon, c'est... Voilà. Parce que Alors, moi, tu vois, par. Lump of Call, je le prenais tout le temps, en fait, jusqu'à que on me dise dans le chat que ça réduit les dégâts au cac, en fait. Ouais, Genre ça ça, je réduit savais pas, certains trucs. je pensais que c'était que du Alors, bonus. Dark Matter, Dark Spirit of the Matter. Night, oui. Ouais, Mais un bon début. ah, il prend Je pas la dirais. deuxième partie de Cube of Meat, c'est normal. Ça sert pas à grand chose. Pourquoi? Bon, ça sert pas à grand chose. Bah, ouais, bon, ça justifie pas de pas le prendre. Si? Honnêtement, ça sert à rien. Bah, ça tire, c'est bien, on s'en branle. Merde! Ça augmente pas un peu la hitbox aussi, je crois. Bon, d'accord. Non, ça veut juste que ça tire, quoi. Les tirs, on s'en fout. On s'en Ouais. fout complètement des tirs. Bon, il a décidé que y a plein de trucs dont on se contrefout. Bon, les cacadores, il s'en fout. Il vite son Ouais. boss, hein. Oui, Déjà, oui, oui. cave 2, d'ailleurs. Donc Léo est Mais cave pour moi, 1. son pigman, là, il a le build et il a la rapidité. Voilà, il a complètement ce qu'il faut. Chez Léo, Mais ça par avance contre, bien quand même, hein. Il a fait ça une avance bête bien. partie de son Mais retard, hein. d'ailleurs, le QI tracker. Oui. Non. Le QI tracker. Oh, Bah, je l'ai pas sous les yeux, donc. Au cas où, juste au cas où. l'abrime, le dead cat, Bah. le dead cat. Bah. L'abrime, ça Ouais. sert pas à grand chose, mais le dead cat est intéressant. Il aura pu reroll par contre, Sabrime. Oh, Brimknife. Stonebender! Et le Deadeye. Stonebender avec un Deadeye, c'est très très bon. Et oui, et donc voilà, là on voit vraiment le build de Ah, le Léo build qui de Léo, il est pas mal, hein. synergise très bien. Vraiment Ouais. pas mal. Bon, la brime couteau, je suis pas sûr que ça valait le prix que ça coûtait. Ouais, mais c'est rigolo. Donc, Enfin, ils sont pas là pour être rigolos, ils sont là pour être efficaces. Ouais. Et donc, oui. Alors. Ah, Sonic Eggman qui avance bien, qui est en depth, alors que Léo est toujours en cave 1. Il est sur son boss de cave 1 qui sera Pestilence. Les deux joueurs ont eu Pestilence. Qui va donner bah, Cube of Meat ou Ball of Bandage à Léo. Et pour lui, c'est une très bonne nouvelle, hein. Un Ouais, orbital. voilà. Léo, il sait en plus bien les utiliser. Pas de vinyle, c'est con. Tant pis pour lui. Non, malheureusement. Alors, le Bucket of Lard, non, jamais. Les larmes spectrales, ça ne sert à rien. Ouais, c'est con, surtout qu'il a déjà. Enfin, oui, et puis bon, même s'il les avait pas, le couteau est spectral. Hein. C'est vrai. Donc, tant pis. Et là, le vol avec un couteau, hein, c'est confort. Hein. Alors, Alors. Léo qui est en train Ça de reroll, ça reroll reroll, vers ça reroll. l'infini, il reroll à la machine plutôt que Ça reroll. au D6.
Ouais, il veut fighter sur D6. Non, il le garde plutôt pour le boss. C'est normal. Ouais. C'est normal pour le boss ou le Devil Deal. Assez énervé d'avoir utilisé ça sur une item room. Ouais. Enfin, par contre, troisième cavalier pour Sonic Eggman, ça fait chier ça. Bon, là, par contre, il va pouvoir reroll. Hein. Il rerollera de toute façon le cube of mid. Pour le pentagramme, bien. Pentagramme, joli très reroll. Bon. Il va direct, il aurait pu. Je pense qu'il a hésité à backdash pour aller chercher la batterie qui restait. Derrière. Oui, ou alors aller chercher son item. Non, ça, ça aurait fait un très trop gros. Léo qui a abandonné du coup son item room. Dommage, c'était un Swarm Protector, c'est un bon familier. Il a récupéré quoi? Il a récupéré de la vie encore avec le bandage. All bandage. Ah non, c'est pas le All bandage. Super bandage. Ouais, tu vois. Deux cœurs, ouais. Je crois que c'est deux cœurs. Plus que ça, hein. C'est trois cœurs. Un rouge de bleu. Trois cœurs, c'est le bon. Un rouge de bleu, je crois. Ouais. Moi, je pense pas que c'est soit trois cœurs. Trois cœurs, c'est deux body. Non, c'est trois cœurs. Il n'y a pas trois cœurs rouges? Non, bleu non, et voilà. Une combinaison de bleu et de rouge. Ouais, voilà. Pas le plus original. Je sais plus. Non, si, ça doit être apparu. Mais il a plein de vie, il a un cube of meat qui commence à utiliser, évidemment. Hein. Non, une ball of bandage, d'ailleurs. Alors que Sonic Kidman qui vient de défoncer maman. Il aurait pu encore plus la bourrer, hein, mais c'est vrai que bon, c'est marrant quand même. Hein. De défoncer maman gentiment, pépèrement, et il avance en bombe, hein. Ça avance vite. Il est quand même assez safe, beaucoup de cœur, ouais, mais le Z4, son backup. Ouais. Son build est tellement meilleur. Quoi. I can see forever, c'est parfait. Ouais, peu importe. Ce qui est bien aussi, c'est quand il se fait toucher, il a la réduc de dégâts. Hein, ouais, mais attention, bien. Attention, si t'as qu'un cœur, la réduc de dégâts, t'es mort avant. Alors, Brownie, c'est pas joli. Hobbs Brain, reroll en. Oh, il prend Tractor Beam. Ah, je suis pas convaincu. Moi aussi, mais ça change rien, si. Si, le couteau il va suivre le Tractor Beam. Bah ouais, mais avant il le suivait aussi. Ah, il le suit pas autant. Ah ouais, le genre c'est plus strict. Là c'est vraiment plus. Alors, Léo, on voit qu'il y a une Angel Room et qu'il décide de buter l'ange, c'est normal. Il a un D6. Il a fait proc exprès. Ouais, il l'a fait exprès, je suis sûr. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Hein. Je l'ai pas vu faire, mais je suis quasiment sûr qu'il l'a fait exprès. Pour Reroll. D'accord, ok. Ouais, il fait relique, très bien. Bon, alors, il aurait préféré évidemment Sacred Heart ou. Ouais, Godhead, voilà. Mais oui, quand t'as un D6, l'ange, tu le fais proc, hein, forcément. D'accord, ok. Non, parce que, mais pourquoi, qu'est-ce que, t'as vu Sonic, là? Sonic, alors? Bah, il a décidé d'aller sur le caca rouge en esquivant. Je jump, Sonic, Rocky? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il arrive sur son boss de Womb 1, alors que Léo est et à Depth 2. Un boss de con, mais avec le... Ah, le boss qui troll à l'infini. Merci Scolex d'être là et de faire chier tout le monde. Et il ne le colle pas du coup, c'est reparti. Alors Léo qui reroll encore à la machine, évidemment il utilise ses pièces, hein, il peut les utiliser, il n'y a pas de chop, il n'y a pas de problème. Colle le cul là, c'est incroyable ça. Et Léo qui prend rien dans son item room encore. Les item rooms elles sont vraiment pas bien, hein, chez Léo. Non, Léo là, bah, il a prévu, hein, après un bon green mode normalement il tombe que sur de la merde. Hein. Il prend les sticky bombs. Ouais, il pense qu'il peut. Et il arrive à Mom. Alors Mom il va la bourrer au cube à la ball of bandage, évidemment. Dès qu'elle descendra. Super bandage, ouais, donc tu vois, c'est. Ouais, ok, d'accord. Non, c'est plus deux cœurs, un cœur rouge, un cœur bleu. Super bandage. Il vient de l'avoir, ouais. C'était trop. Voilà. Ouais, en 3, ça me paraissait. En tout cas, Sonic Eggman qui s'est refait une petite santé. Hein. Un petit chest, c'est parti. Et il est. Alors qu'on voit que Léo, bah, il est encore en train d'essayer de buter un ange, hein. Il a encore une Angel Room et bah, il est reparti sur buter dans un ange. Bon, malheureusement, il n'avait pas d'autre objet, donc il aura que un objet à reroll. Et en plus, ça lui prend du temps hein, quand même de faire ça. Ouais, en même temps, alors que là, il est déjà bien en retard, il a un étage différent. Il a vraiment besoin d'avoir de la chance là parce que son build il est vraiment insuffisant. Lance en soi. Ça, c'est pas mal du tout. C'est défensif et c'est dommage. Pas facile, ouais.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Rien d'intéressant dans le boss rush non plus, hein. De toute façon. Attends, il avait quelque chose pour se barrer ou pas, non? Non, 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 mais il va voir au cas où. Jamais, D'accord. hein. Ici, Undefined. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que j'oublie, check le boss rush, moi, genre, quand j'ai pas de carte ou des trucs comme ça pour sortir. Undefined, ça peut être intéressant. Après, Undefined contre D6, je suis pas convaincu. Après, si, pour aller plus vite, c'est mieux. Hein. Non, speedrun, on n'est pas en faire la run à tout prix. Mais, ah oui, j'avais pas vu que Léo a Et le full Sonic, du mapping. coup, C'est vrai qu'il tu a le The conseilles? Mind, Léo. J'avais pas fait gaffe. C'est un bel avantage Ouais. aussi pour lui. C'est un bel Ouais. avantage, ce The Mind. Le mapping, hein, à tout prix. Et Sonic qui arrive dans Eclipse, qui va normalement Oh, défoncer. Eclipse, C'est normalement, il devrait lui casser la gueule, mais attention à pas mourir. il joue bien du couteau, et s'il prend pas les touches, là normalement il a deux touches encore du coup avec le wafer. Ouais, non, pas avec le wafer, avec le cancer. Ouais, enfin c'est l'effet du wafer quoi, Ouais, tu m'as compris. c'est ça. Et, bah, bou, hein, Et t'as voilà, quand ça. le premier Et. chiffre, on bourre, voilà c'est parti. Un cœur, bah, parfait. Pas de demi-deal, on monte, c'est parti. Et Léo qui trouve Cathédrale son contre Sonic boss, qui Exile. sera Daddy Long Legs. Daddy Long Legs en premier boss, en boss de WOM 1. Il vient Une petite dose d'exploser Mister d'Oli, Dolly, c'est pas mal. pas mal, pas mal du tout. Les tears up. Et Et il Sonic est. Eggman qui bourre les portes. Oh ouais, bah il a Il raison, rien. il a quelques Il bombes. rien. Ouais, Et les salles ok, de en l'angoisse. ronde 2, Ah, c'est dommage. Oh alors. là là, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Parce que là, du Passe. coup, Ah, il est bah, il obligé de faire aborde. la salle. Oh Il mon a dieu, du il temps, va en fait. perdre tellement de temps sur cette Et salle. Ah, ces ouais. salles-là, c'est Petit... vraiment Ah, l'angoisse. il a fait le con, là. Là, il a fait le con parce qu'il a choisi de Ah, il a fait le bomber la con. porte Et ça, avec. il a espéré, hein. Il a espéré que ça passe. Bah Hein. oui, mais non, il a bombé pour ressortir de la salle, alors qu'il aurait dû juste la faire et rebomber celle-là Ah pour oui, là par repartir. contre, oui, du coup, c'est Voilà. effectivement. Parce que là, Il du coup, il savait a plus de bombes ce qu'il et il a attendait. sauté. Voilà, Donc voilà. Et attention à ce qu'il va ça. s'il meurt dans cette salle. Sonic Heyman, là, pas Là, de honnêtement, il tellement. faut surtout pas qu'il meure dans cette salle parce que s'il meurt dans cette salle, il revient dans la salle d'en haut Voilà, et il c'est ça. devra Et se donc, du coup, il va. retaper cette salle. Faut vraiment pas mourir là. Ah, il y a peut-être un wipe possible là, sur cette salle là. Sonic Alors que Heyman. Léo, il est déjà sur Eclipse, hein. Il va faire Et hop. un. Léo, il fait son retard, Lentement. hein. Il fait plein de Ouais, dépenses en non, retard. Léo, Hein. il. Et Il a le arrivé à la mapping, il a le cathédrale mapping, on le direct. rappelle, Et et il a le c'est un sacré avantage. Même s'il a un Il a le build très moins fort. mapping. Un build assez safe Oh, il a un et bon build, non. dégât. Il a pas un build assez safe. Il a le build le plus safe de la Terre. Ouais, l'encens Il soi, c'est a toujours. l'encensoir relique, bonjour. Hein. Bonjour, je suis ultra safe. Hein. Mais bon, les dégâts, ça pêche un peu. Ah, ça va, on va dire. Il a de quoi clear les rooms assez facilement quand même, c'est pas non Bah, plus. c'est le dead eye, hein. S'il a pas son dead eye d'activé, c'est la merde. Hein. Après, avec Ah, et une Sonic bête, Eggman ouais. qui vient de mourir. Oh, j'ai cru qu'il devait se retaper Il a la salle, j'y ai récupéré pensé. The World. Ah, Il et va le donc garder il pour aura la aussi une tête. mapping au chest. Ah, Sonic Eggman qui joue pas des bombes pour Non, 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 skip la non, salle, dommage. non. Enfin, il en a pas surtout. Bah oui, mais Ah oui, les le troll but bombes. Ah non, c'est de. compliqué. Ah bah écoute, monsieur Speedrun, non, ah, il meurt, c'est bon. 4 vies, Alors, hein, 4 vies, un on cœur voit rouge, une que. touche, une vie. Ah oui, on avait Sonic oublié Eggman, ça que se rend Léo a tous. aussi le wafer, donc non, non, Ouais. il est plus qu'ultra safe. Hein. Ouais, Là, donc il Léo peut qui bourrer prend à le dash, ça l'infini. Hein. Il en a Léo rien à qui bourre foutre. le Hein. Lysak. Il en a rien à Et foutre, il peut bourrer à Sonic l'infini. Eggman qui est aux portes de son Lysak. Bah oui, mais Léo qui a pris l'avance du coup. Léo qui a pris de l'avance. Ah là. Et surtout, va falloir que Sonic Eggman gère bien son Isaac parce que voilà. Là, il vient de Eh mourir oui, par exemple. il va mourir. Tranquille. Attention aux esquives sur les larmes, hein. Il va falloir gérer tout ça. Là, le jeu de jambes et de bise, hein. Et Ouais, le tractor bah, et beam. encore Ah, mort. et le tractor beam, justement, là, qui se retrouve à être une Ouais, bah faiblesse, hein. oui, le tractor beam, Tu hein. peux pas te rouler autour de Isaac avec Et le tractor non, beam, le et couteau revient voilà, le directement. tractor beam, une Oh. erreur, hein. Alors, Je Léo pense que c'est la fin K pour avait deux Sonic clés Man, hein. pour ouvrir deux coffres, et K Deux coffres de reroll, merde, hein. et Deux coffres de c'était de merde, la hein. merde deux fois. Ouais, c'était ouais, c'est de la merde. Bon, une troisième merde, c'est parti, on continue. Eh Ouais, ben, donc je pense c'est que. pas la joie chez Sonic Eggman. Non, je pense que Sonic Eggman, c'est fini, là. Hein. Non, non, ça va, ça y est. Il est en deuxième Ouais. phase, ça devrait bien se Deuxième phase, passer en c'est deuxième phase, c'est plus facile. Par contre, si les larmes sont en face, c'est pas de chance. non, ouais, voilà. Voilà, aïe 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 aïe, ça va, ça passe. Ouais, non, ça passe. Ça Tranquillement. passe, et il tue Après, bon, Isaac, et il va aller il y voir a. son chest.
Les deux gens qui ont le mapping, on va voir, peut-être que Sonic Eggman va avoir un meilleur test, mais si. Léo a un petit. Non, bah non, non, toujours pas. Non, alors, non, elle est un item de merde. Bon bah. Non. Il peut prendre des formes, mais bien. Ah, il a un chest qui est assez long aussi. Et en plus, il va pas du bon côté. Bah, bah bien. T'as le mapping, il va pas du bon côté, mais merde. Donc là, bon, Léo, clairement qui a repris l'avantage, hein, mapping. Ah oui, oui, mais honnêtement, c'est indécis, hein, parce que leurs chests sont à peu près aussi longs l'un que l'autre, et je pense que Sonic Eggman est normalement plus rapide à clear les salles. Le problème, c'est que là, il vient de mourir et que c'est sa dernière vie. Donc là, Sonic Eggman, une touche et c'est le wipe. Hein. Voilà, c'est ça. Malheureusement. Donc, attention, il va falloir être solide dans ses esquives. On l'avait prévenu sur le Isaac. Hein. Ouais, on voit hein, le problème du tractor beam. Le tractor beam, hein, franchement, hein, je pense qu'il va le regretter hein, parce que c'est vraiment chiant. Hein. Écoute, moi, tractor beam, je pense que c'est mon item préféré du jeu, mais pas avec le couteau. Moi, je pense que c'est l'item que je trouve nul de la terre. Ah ouais. Moi, j'adore, je sais pas. Trop bien. Alors, Léo qui est à côté de sa salle de boss, alors que Sonic Man est quand même assez loin encore. Il chatte quand même, oui. Et ça y est, c'est parti pour le Blue Baby qui va se faire, bien sûr, bourrer à la Ball of Bandage à l'infini. Ouais, c'est dommage en plus, là, il aurait pu skip quand même 3 bonnes salles avec la Secret Room juste à côté là. Ouais, là, ça se joue à pas grand chose. Et il faudrait encore ne pas mourir. Et Léo sur, qui vient de finir. GG Léo. Ouais, Léo en qui a sub 20 minutes alors que bah, les Sonic Eggman vient de mourir de toute façon. Donc finalement, ça ne change rien. Il est malheureusement mort. On va prendre bah, les réactions des deux joueurs. Sonic Eggman. Ouais, c'est ça. Bah, peut-être des petites erreurs qui ont posé gros problème à Sonic Eggman malheureusement. Léo qui a ramé pour trouver son starter, qui a pris son temps tranquillement avec ses Angel Deal. Allo, Léo. Bah du coup on n'entend que toi. Allô hein. Bon bah GG. Bah du coup oui, merci. Ouais, GG Léo. Moi d'être gagné quand j'ai entendu le build de Magic Mash couteau, bon. Ah ouais mais... j'ai un peu chié. Ah oui, oui, et puis en plus toi ton build il était pas fou hein. Ouais non c'était loin pas de fou, là, il était ultra safe. Heureux. Mais c'est tout qu'il hein. A eu The Might. Heureusement qu'il y a eu The Mind et la Ball of Bandage aussi. Ouais. Oui. Les deux là, hein, heureusement, hein, parce que sinon sans la Ball of Bandage, ça aurait été assez chiant aussi. Hein. Et le Wafer. Bah oui, bah le Wafer, ça t'a permis de bourrer forcément. Hein. Ouais, du coup. Et ouais, Sonic Eggman, ouais. Malheureusement, je pense que honnêtement, le Tractor Beam, non quoi. Tractor Beam couteau, non. Non. Non, c'est chiant. J'aime pas cet objet de toute façon. Je déteste le Tractor Beam, mais alors là, honnêtement, hein, je pense que il t'a plus emmerdé qu'autre chose, le Tractor Beam. Hein. Ouais, le Tractor t'a tué, ouais, c'est possible. Avec un quad shot ou un inner shot, enfin, un inner eye, c'est pas mal. Hein. Pas sur le couteau. Ouais, pas sur le couteau. Mais sinon, l'item peut être bon. Dès moi, j'aime tu, bien. Dès que tu changes de visée, le couteau il change de côté. Hein. Ouais. C'est nul. Ouais, 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 le Tractor Beam qui a été assez dommageable. Alors que, bon, bah... Oui, t'as le droit à tout ce que tu veux, en vrai, Slowly, tiens. Oh, putain. On a le droit au Missing Out 2 en race, oui. Oui. Juste, t'as pas le droit à Cheat Engine, quoi. C'est tout. Ouais, bah non, faut pas déconner, quand même. alors... En tout cas, c'était une belle race, hein. Une belle race. Non, c'est vraiment beau, j'ai belle remontée de la part de Léo. Bah oui, oui, oui. Oh. Quand même commencer un starter moyen finalement. Hein. Ouais, c'était chaud. Et pas désagréable, mais pas forcément facile à jouer. Voilà. Et bah, la Sonic Eggman, ah, honnêtement, c'était pas mal, hein, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il nous met ? Il nous a mis plein de trucs. Alors, eh bien, j'ai bien aimé faire une race contre toi, bonne chance, fantastique, la victoire. Ah, bah voilà. Oui, en tout cas, c'était pas mal. Hein, t'as plutôt bien joué, Sonic Eggman, merci. Sauf les petites erreurs de prise d'objets, certaines.
Tractor Beam, pourquoi? Pourquoi? Le Isaac qui a aussi un peu été pénalisant. C'est quoi? Le Isaac qui a été un peu pénalisant aussi. Hein. Bon, 4-4 c'est bien, mais il faut pas se faire toucher. Ça, c'est ça. Mais bon, après, avec Tractor Beam, comment tu veux faire? Ouais. T'as pas à côté la plupart du temps parce que tu peux pas viser comme tu veux.